Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de 6 merveilleux pop achetés récemment, dont 3 Doctor Strange Multiverse, enfin 2 Doctor Strange Multiverse et 4 Jurassic World. Évidemment, le dernier. Donc, on va commencer déjà par les Jurassic World. Comme vous avez pu voir sur ma miniature, le professeur Malcolm, que je trouve plutôt très marrant dans la trilogie Jurassic World, ainsi qu'évidemment dans le Jurassic Park, puisqu'il a joué dans le premier et dans le deuxième. Donc j'ai trouvé vachement meilleur dans le deuxième Jurassic Park, déjà. En tout cas, voilà. Dans tous les accessoires qu'on peut trouver dans la gamme Jurassic World. Déjà, j'ai déjà un petit. Lequel j'ai? Le Tyrannosaurus. Bon. Un nom très compliqué. En tout cas, j'ai pas mal de Jurassic World, en comptant Owen, que j'avais déjà fait ma vidéo la dernière fois. Owen Grady et Alan Grant. Voilà, que j'ai déjà. Donc ça me fait 4 en plus, donc ça m'en fait 6 en tout. Donc le professeur Malcolm, voici, avec le petit pop qui va avec, que je remets dans sa boîte. De toute façon, je vous les montre et je les remets dedans. Donc voici Professeur Malcolm. Ensuite, Maisie Lockwood, que j'ai trouvé vachement sympa dans le dernier, qui a bien grandi surtout. Mais j'aime beaucoup Maisie, elle est très sympa, elle est très sympathique, c'est une belle fillette quand même. Voilà. Surtout que le pop en plus il est quand même assez stylé, je trouve. Avec le petit côté un peu. C'est un mélange un peu de rose, violet. Voilà. Donc je trouve vraiment très sympathique Maisie Lockwood. Surtout que tout tourne autour de sa mère, disons. Et d'elle, du coup, dans le dernier film, dans le troisième. D'un côté, je suis content, on a plus parlé d'elle, justement. Disons que c'est un peu elle la clé. Excusez-moi pour le bruit. C'est un peu elle la clé dans le dernier film, Jurassic World. Ensuite, Ellie Sattler. Là 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 là. Jouée par Laura Dern, qui est une excellente actrice, vraiment, que j'aime beaucoup aussi. Que j'ai pas vu beaucoup jouer dans les films, ce qui est dommage, mais en tout cas, elle est excellente dans le Jurassic Park et dans le dernier Jurassic World aussi. En tout cas, voilà. Qui travaille évidemment avec Alan Grant, comme dans le premier Jurassic Park. Ensuite, pour la suite, ça fait 3. Claire, vu que j'ai ON, on va prendre Claire. On a déjà la petite Maisie. Ensuite, nous avons la fameuse Claire qui est incarnée par Bryce Howard Dallas. Voilà, qui est vraiment très très jolie aussi. Très belle actrice aussi, qui joue vachement bien. La première fois que je l'ai vue jouer. Dans les deux films auxquels je l'ai vu jouer, c'était dans Twilight, dans le troisième film où elle jouait, du coup, elle jouait, je sais plus comment elle s'appelle, déjà. Dans Twilight, elle jouait de quoi déjà? Bref, ça va me revenir. Et aussi dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. Donc, en tout cas, c'est le seul film que je l'ai vu jouer. Et je suis très content de la retrouver dans la trilogie Jurassic World parce qu'elle joue vraiment très très bien et que je l'apprécie beaucoup. En tout cas, voilà pour ces 4 pop Jurassic World. Ensuite, nous allons passer aux deux Doctor Strange. Donc nous avons un fameux Docteur Strange, Sinister Strange. Voilà, celui qu'on voit apparaître du coup
barbu, quoi, du coup, à la fin du film, là où il y a les escaliers qui montent très 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 haut. Et j'ai enfin acheté, du coup, le Steelbooks. Et je vais pas tarder à me le refaire. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Donc, très sympathique. Surtout bien fait, très content de l'avoir. Et il est un peu lourd au niveau du poids aussi, hein. En tout cas, j'aime beaucoup. Nous en avons quatre derrière la boîte. Comme vous pouvez le voir, derrière. Du coup, bah, j'ai ces deux-là. Celui que je vais vous présenter juste après, il manque juste American Chavez et Captain Carter. Que je vais sans doute acheter prochainement. Je vais voir si c'est dans mon budget. On verra ça un petit peu plus tard, dans les prochains jours. Si je peux me le procurer, les deux autres. Et ensuite, le dernier, comme je vous ai dit, Dead Strange. Quand on le voit complètement à la fin du film, quand il se transforme vraiment en zombie. Voilà, le corps qu'il a caché dans une petite brique en pierre au début du film et qui réapparaît à la fin du film. C'était assez flippant. En tout cas, là, c'est spécial parce qu'il y en a deux. Là, c'est pas un seul en plastique. Il y en a deux, comme vous pouvez le voir. Déjà, c'est rare qu'il y ait deux petites protection transparente, mais après ça dépend l'ampleur du pop. En tout cas, il est magnifique. Très content. Excusez-moi. Très content de l'avoir, il est vraiment fabuleux. Franchement, il est top. Voilà. Donc ce sera tout pour ces merveilleux pop. Mais ces jolis pop que je viens de vous présenter. Voilà. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions au sujet des pop, surtout que du coup j'ai pas oublié de préciser, celui-là du coup c'est une édition limitée. Le dernier que je viens de vous présenter, Dead Strange. Donc je suis vraiment content de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment sensationnel. Donc voici les 6 pop présentés. Excusez-moi, j'ai mis à l'envers. Voilà. Que je trouve merveilleux et auquel j'ai fait un très bon achat avec. En tout cas, les pop, elles coûtent maintenant 16 euros au lieu de 15 euros. Ça a augmenté de 1 euro depuis quelques mois. Donc c'est quand même plus cher maintenant. Même les plus rares, ils sont beaucoup plus chers, ils peuvent atteindre les 20-25 euros. Donc, en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre-les en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à tous, à très bientôt.